Looks like a piece of pulse. Pulse? What, you mean like the Bowden vestige? Something like that. It's close to Eden. Yeah, well, what I don't understand is after the purge and all that Lassie paranoia, why keep a chunk of pulse under the floorboards? Is this what the Primarch wanted us to see? A place for Lassie to accept their fate. Do you really think our focus is what Daisley said it is? You mean become Ragnarok? Destroy the foul sea Eden and shatter Cocoon. That's what the vision's telling us, more or less. So, back to square one. Out of luck. Mr. Hero! Cocoon calling Snow! It's almost like Daisley wants it to come true. Seems that way. He sure didn't mind explaining it. Here's your focus on the silver platter. But that doesn't make sense. I don't get it. Why would a Cocoon Falsee want to destroy Cocoon? Maybe it's a Falsee thing. You know what I mean? Some grand design we just don't understand. Huh. Hey, Snow. Nothing from you? So, this way? Bon, j'ai toujours... Ah non, je suis tout seul. Bah, Christian, ça sera pour plus tard finalement. Donc, du coup. Ah bah oui, en fait, du coup, bonjour à tous. Et nous voici pour un nouvel épisode de Final Fantasy XIII. J'étais parti comme si j'étais déjà en train de tourner. Écoutez, oui, parce que je enchaîne le tournage avec l'épisode dernier. On est en début du CD3, enfin. Donc, on a fait entre guillemets les deux tiers du jeu. Façon de parler. Mais quand je dis façon de parler, le plus gros du jeu arrive tout de suite ici. Vous allez voir que je vous expliquerai au moment venu. Mais c'est là où, pour finir le jeu à 100%, qu'on va passer le plus de temps. C'est dans le CD3. Oui, allez, Dorian, oui. I gotta apologize. Looks like I was wrong. About Sarah's focus? Not like you to second-guess yourself. Yeah, well, even heroes make mistakes. What about your plan to protect Cocoon? Either way, your faith in Sarah was strong. That strength got you this far. It was all wrong. Yeah. You tried so hard to convince us that you even fooled yourself. You've been a total idiot. But still, it saved me. You trusted Sarah. Let that faith drive you. It even made me want to believe. Mon équipe, par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec l'équipe que j'ai. Non, combattant, ouais, hop, voilà. Putain, faut que je refasse mes stratégies, faut que j'ai ravageur, attaquant, ravageur, attaquant, attaquant. Ravageur soigneur. Soigneur saboteur
tacticien, soigneur, défenseur, soigneur, et toujours la petite stratégie où je sais pas quoi faire, ravageur, saboteur, plutôt attaquant, ravageur, saboteur, ravageur, voilà. Maintenant, on va monter le petit Starium, on va finir d'abord attaquant. Parce que, voilà, j'ai mon choc tartif à prendre. Voilà, hop. Et ah, il faut pas grand chose maintenant pour monter. Non. Toi, c'est saboteur, faut que je finisse. Non, défenseur plutôt. Nouveau souffle. Et je me suis fait niquer en montrant un peu le truc. Et toi, c'est soigneur, faut que je finisse. Toi, j'ai tout fini, du coup, pouf, on monte l'attaquant. Choc à rien. Agis. Force. Ok, toi, c'est l'attaquant à finir. Ouais, attaquant. Alors, chose dangereux, c'est augmente le taux des dégâts infligés aux ennemis en état de choc. Toi, c'est soigneur à finir. Voilà. Vie. Force plus 5, PV. Bon, voilà, on va monter tout le monde. Bon, apparemment, ça va aller plus vite à monter les XP après. Petit coffre ici, non? Non, bon. Pas de coffre là-bas, bon, ça sert à rien d'aller là. On va monter direct là-bas. Est-ce que par le plus grand des hasards, nous avons une nouvelle boutique? Ah, il y a des nouveaux trucs. Oui. Oh, bisous, du coup. Pierre de Mina, ouais. Ok. Magie. Une nouvelle allumette, ouais. Et les bracelets maintenant. Toujours pas mes trèfles, c'est meilleur ça. Ça c'est les armes. D'accord, bon. Pas grand chose hein. Pas de coffre non plus ici. Eh ben on monte. We're still in Cocoon. It's kind of creepy. Ah, ça me rappelle les anciennes machines. Donc là, c'est facile à les tuer parce que c'est une équipe de 3 qui tout pour les défoncer. Ouais, ils font mal par contre. Ils font très mal là. Bah c'est juste pour montrer la technique. Nouveau souffle. Voilà, ça régénère pas tout mais ça régénère bien quoi. Ah
Parce que là, ils font terriblement mal. Et en plus, leur bras, c'est comme s'ils faisaient un fauchage. C'est limite, il faudra que je mette saboteur lenteur. Vas-y, on va finir vite. Parce que dès qu'il est en état de choc, il peut plus attaquer. Vas-y, hop, finis-le. Enfin, fais-le en état de choc. Voilà. Agression, ça sert à monter. Ça barre quoi que lui déjà mort. C'est un centre de ça va, on monte bien. Les personnages ont des. Ah they call them. Long ago, the Falci, who made their home on Grand Pulse, were afraid of invasion from the outside. As part of their battle preparations, they created an army of living weapons, and they stored those weapons in arks, and they hid the arks all over the world. Everyone on Grand Pulse knew the legend. So, this is basically a Pulse armory. Mm-hmm. Most of us never believed in them. A few people tried searching, but they never found a thing. Who'd have thought to look on Cocoon? Right under our noses. Some secret they kept. Those Sanctum guys, what are they up to? The story's not done. There's more. They used to say the Arks had a more practical purpose. Huh. Really? Yeah. To force Lassie to master their shiny new powers. Huh. Okay, so, I get it. Dysley's goal is to forge us into stronger weapons. Right. Not Seath, but monsters all the same. Think of it as training for the fight ahead. Herb's right! Wait. What was that? These guys again. Fun times. Over there! We gotta keep moving! Je vais me battre, moi, ils sont fous, eux. Donc ouais, en fait, on est dans une sorte entre guillemets de zone d'entraînement. Mais, ah oui, merde, putain, j'ai oublié de revoir les sorties. Je vais remettre un peu l'hiver en souci, parce que ça fait mal. Très mal. Mais bon, voilà. L'attaque, elle arrive quoi là? Tiens, ils font mal aussi, putain. J'ai l'impression que Barton dit j'ai du chatouille à côté. Enfin, j'abuse un peu, mais voilà quoi. Faut très vite en état de choc celui-là.
Ah, dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on va l'achever. Très facilement, même, juste agression, tranquille, peinard. Oui, il faut que je revoie les stratégies. Alors, parce que le problème, c'est que celui-là, je m'en sers jamais. Et il y a une stratégie que je voulais faire. Ah merde! Attends. Ah, tous les héros sont disponibles, c'est bon. Ah oui, par contre, ça coûte cher. Ouais, bon, entre ça plus tard, mais est-ce que t'as quand même. Oh, bah, genre, ma petite. Non, ah, bah, il faut que je débloque des techniques, peut-être. Bon, bah, ça sera pour plus tard, en fait, hein. Ça, c'est ceux que j'ai battu juste avant, ok. Enfin, j'ai un doute, toi, non. Là-bas, oui. Ouais, enfin bref, on sait dans le jeu, je vais pas me viser quand même. On fait juste les ennemis qu'il y a sur le chemin, par contre les coffres. Ici, il y en a pas. Bon. Je pense qu'on va reprendre les durées normales de vidéo. Hein. Essayer de faire les 40 minutes à peu près. Et éviter des lignes de vue. L'épisode. Bon, normalement, il est tout seul le chevalier avec le bon bobo. Ça devrait être facile. Enfin, je l'espère. Hop, agression comme ça. Fang attaque l'autre. Donc, moi, je lui finis celui-là. Putain, en fait, ce que je voulais faire, c'est voulais faire une stratégie triple ravageur. Ça l'aurait tellement fait ça. Il était choc parce qu'il meurt très rapidement aussi. 384, c'est bien. Le coffre est de l'autre côté. Et nous avons deux chevaliers ici. Ah, polyvalence aussi parce que je sais que je vais me faire piquer vivant. Putain, vous rendez compte avec ce que j'ai mes trucs principaux. Je dois faire 700 et tout pour monter une case, et là-bas 3000, 2000, et après ça monte à 18000, 20000 et tout, et conneries. Oh, c'est pas abusé ça. En fait, le mieux c'est monter le tout principal et après monter le reste. Et je pense que je ferai peut-être des sessions d'entraînement vite fait de mon côté. Bah marche déjà en polyvalence, merde. Oh, puis branle quoi, Sony. Voilà. Non, en fait, c'est pas qu'ils font mal, c'est qu'ils font mal, mais la tête tombe en même temps. Ah, c'est ça le plus horrible. Bon, ouais, on va y arriver tranquille. Ah, je suis calme. Je suis calme. Attends. Il est tout seul. Il est tout seul. Qu'est-ce que je fais?
Voilà. Ils ont imposé le respect, on a 21 minutes de jeu. Commence bien. Ah, 1 mètre de héros, ça c'est cool. Non, c'est pas ça. Ça monte bien. Ah oui, ça monte bien quand même. Juste faut qu'il y ait un peu d'écalier parce que j'ai essayé de monter un truc qu'il fallait pas. Alors on va d'abord tuer les circuiteries. Voilà, ça c'est rapide, vous avez vu. Ouais. Oh mec, qu'est-ce qu'il y a? Et ça doit être double attaque sur tout le monde. Ouais, le spot, c'est la fin ce monstre. Et le pire, c'est qu'on va croiser que ça quasiment. C'est encore, bah, j'ai même pas fait gaffe combien ça me rapporte si je me trompe. Ça m'a rapporté beaucoup quand même. Ah, j'aurais peut-être dû passer mon agression, ça aurait été plus rapide, je pense. Ah, je sais pas trop. Ouais. Ça aurait été plus rapide parce que on fout même pas un bar d'état, tu vois. 384 pour 2 secondes de combat, franchement rentable. Carcasse de bombe. Ok. On dirait un peu les musiques des Final Fantasy X. De toute façon, j'ai l'impression que Final Fantasy XIII est beaucoup musique repris de FF10 ou un peu changé. Hop, agression. Ça, attaque sur Kitron et prendre attaque le deuxième. Le deuxième est déjà presque mort. Hop, polyvalence. Ah, c'est vrai que soin 2 ça prend 2 barres. Et le fait qu'il peut pas faire 202 à suite, c'est chaud. Du coup, vivement que. Oh, passe, on est deux. Enfin, c'est chimère, et de bon. Vous avez essayé quoi? Problème. C'est pas pour maintenant. Pour moi, ils ont dû faire. Apparaître les deux de Hope. Quand il a voulu tuer Snow. Voilà. C'est ce passage-là. Ils ont dû le faire. Un petit bout de cafétéria parce que je sais que ça va monter vite. Hop. Attends, je passe vite fait, je suis dangereux. Ça c'est fait. Nickel, c'est ça que je voulais. Hop, ma petite fang. Saboteur plutôt avant.
Ah, oublie ça, ça pourrait être bien, mais les boss ça va pas trop marcher. Toi, tacticien. End of feu, ça c'est protection ça. Bon. Bon, toi, hop, de toute façon, je te joue pas vraiment trop du coup. Je te montre ce qui est remonté. Classe 2, putain, il serait peut-être temps d'avoir ta première classe 2. Toi, tacticien. Anti-glace, anti-feu. Oh, c'est la même chose que. Hop, mais là c'est pour l'attaque. Et soigneur, hop, toi tu finis vite fait soigneur. Et bah, comme on est là, on va finir ici. Voilà, tout le monde est monté, tout le monde est heureux. Et bah, continue la game. C'est vrai que maintenant que j'en y pense, le CD3 c'est là où tu boostes vraiment tes capacités. On a combien de temps de vidéo? 27, wow, on continue. On est large. Oh, des petites larges, j'adore ça. Parce que ça, on les tue très vite et ça rapporte quand même pas mal de points de compétence pour le temps que ça vaut. Agression directe. Là, ça va faire des fouchages, vous allez voir. Oh là 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 là, ça fait tellement plaisir. On a déjà croisé avec l'IT. Voilà, il en reste plus qu'un. Et il est mort. Et ça m'apporte combien tout ça? 320, eh. Pour même pas 30 secondes quoi, de combat. C'est bien. Ah là nous avons une sorte de flambeau, je sais pas si on avait croisé, peut-être les versions tomates on avait croisé. Pareil, agression, hop, on va dire comme ça. Ah, c'est déjà plus simple que leur putain de machine de puce à la cause. Qui rapporte bien mais que c'est chiant à battre. Enfin quand il y en a un ça va, quand il y en a deux, c'est chaud, quand il y en a trois, c'est même pas la peine. Voilà, pour l'instant c'est tranquille. Allez mettre des Magus. Voilà. Attaque surprise, attaque surprise. Non, trop tard. C'est bien ça, fait monter bien l'XP sur tout ça. Les points de compétences. Voilà, j'ai foutu un petit coup pour l'achever. Oh, par contre, on voit pas son ça, j'aime pas ça. C'est vrai que ça reste pas longtemps. C'est moi, ils ont fusionné. Oh, c'est dangereux ces conneries là. Ah oui, c'est dangereux ça! Ça fait mal en fait! Je disais que c'est gentil, mais non, j'ai rien dit! Je retire ce que je dis! Heureusement que c'était que 3! 204, oh putain, ouais, par contre là c'est la grosse douille! Ah, mais peut-être que l'autre comme il a fusionné, ça n'a pas compté comme un frag, peut-être! Là la porte est fermée, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Non, faut que je passe de l'autre côté. Et apparemment de l'autre côté, il y a Vladimir.
Oh, okay. Tu me dis ça, bon, je suis déjà parti, tu vois. Oh, plein de larves. Oh, une attaque surprise. Oh putain, invasion directe. Attends, en plus, il faut 500 barres d'état de choc pour les niquer. Donc là, ça doit faire tellement mal, tu les tues en un coup. La jouissance. En une action, pouf, tous morts. Bon, ça remonte déjà bien. Et des flambeaux, c'est de tout. Ça, j'aime bien quand il y a des ennemis comme ça parce que tu peux te faire tellement plaisir à tous les battre. Et là, il y a tellement de flambeaux que ça me fait peur. Par contre là ils font mal parce qu'ils sont en masse là. Polyvalence là, ouais, là c'est tout comme on veut. L'autre il est diffusionné, voilà. Du coup on va s'occuper des petits avant. Hop, tu souhaites ? Bah ouais, pour le plaisir. Voilà. C'était juste pour le plaisir parce que j'avais la flemme de utiliser un coup de phoenix quoi. Allez. Hop. Niveau symbiose c'est bon. Allez, vas-y, on passe par ça. Hop, le petit truc qu'on tue. Et ce qui fait qu'on en reste plus que lui. Ah, quand on a déjà bien monté, c'est marrant. Non, ça en fait mal quand même. Hop, toute scène. Allez, vas-y, est-ce que ça fait mal? Ah, j'ai jamais réussi à tuer un mec directement avec ces techniques-là en let's play, décidément. Ah, vite fait, on va monter sa barre de tâche très vite. Oh, il fait mal, putain, en fait. Putain, fixe la potion. Il fait trop mal, il fait trop mal. Imaginez les trois flambeaux qui fusionnent, ça va être terrible. Petite potion parce que là il va mourir. Allez, vas-y, passe au furieux, on finit. Ah, bah c'est moi, il est déjà mort. Ah, cool. À peine qu'on change quoi. 460, putain, des fois je me fais couiller. On est pas en compétence. Donc là-bas, il faut aller là-bas. Mais j'ai un truc à aller voir, on se fait là-bas. Nous avons un coffre avec un masque d'ennemis à tuer. Putain. Attaque surprise, attaque surprise, attaque surprise. Oh oui, attaque surprise. À plein, décidément. Wouah! J'en ai tué 4, 8 d'un coup comme ça. Deux fois chat, j'en ai tué 8. 640, putain. Eh, il y a intérêt à avoir un bon objet par contre. Ça me fait chier à faire le tour.
crois, les huiles médicinales, quoi. Je sais pas, tu peux pas me donner de l'argent, une arme, surtout une arme. Mon trèfle de bronze. Putain, je l'attends tellement, mon trèfle de bronze. Attends, j'ai attaqué par surprise. Ah oui, c'est trop bon ça. Malheureusement, les deux autres, elles ont raté de peu. Attaque surprise. Non, fusionnez pas. Pas le choix d'aller en polyvalence. Ouais, je crois que du coup, à force de fusionner, c'est un ennemi en moins, c'est pour ça que je gagne moins de compétences avec eux. Ça doit être ça. J'augmente même pas la barre de tel choc à fond que déjà mort. Oui, c'est bon, c'est le bon chemin. Est-ce que c'est encore loin? Il y a une sauvegarde. Alors, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce qu'on arrive aux 40 minutes bientôt. Un monstre? Oh. Je suis bien ici. Et après. Ah. Attends, est-ce que c'est la zone que je pense là? Dans la carte. Ah, peut-être finalement pas s'arrêter ici. Et. Ah oui, non, on va s'arrêter ici. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Alors, ça va être trop long ce qui va se passer après. Donc voilà. J'espère à vous tous que vous avez aimé cet épisode. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce que je fais, liker les vidéos, me rejoindre dans les réseaux sociaux et me rejoindre toujours sur Twitch, mais n'oubliez pas. Hein. Et je vous dis à la prochaine. Salut.